Grâce bon Dieu avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur, libre l'opportunité, nous capables avec vous encore à soir. Et nous contents, nous voyons qu'il y a un pile monde qui est des habitués, des amis, que nous avons milité avec eux longtemps et qui l'a soir. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous saluer tout le monde qui choisit pour être capable avec nous à soir, parce que son choix que lié et chaque monde qui a son sacrifice ou fait ou capable là, et nous remercier le Seigneur du fait que il t'a metté ça sous cœur. Et nous gain quelques membres l'église par nous qui accompagne nous pas pour faire tout le monde camper, mais nous saluer aussi dans le nom de Jésus. Alors comme temps Lyon Tijan et avancé, nous avons rentré directement dans et parole là. Et thème que nous gagnons pour semaine ça, c'est la fidélité en action. Et texte que nous gagnons, c'est 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13, qui dit: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes ou soyez des hommes de courage. Soyez courageux et fortifiez-vous. Bon étant de Père Céleste en Jésus-Christ, nous disons merci. Mille fois merci pour les multiples bienfaits que vous avez accordés à nous-mêmes. Pour tes bonnes opportunités, nous sommes capables là. Merci pour tout ça que tu as fait, Seigneur, les chants qui t'ont chanté, les moments d'adoration et de louange, les prières. Merci, Seigneur, pour grâce. Dans ce moment, ça, nous demandons que l'Esprit Saint soit capable de saisir nous. Et qu'on capable d'utiliser nous comme un bon vaisseau, un vase qui est utile, un vase d'honneur, et que peuple soit capable de bénir, et que peuple soit capable de réconforter, ça qui est plus important, que nous tous nous capables de sauver. Nous prions comme ça, Seigneur, ce n'est pas parce que nous bons et nous méritons, mais dans le nom de Jésus, à lui soit la gloire, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Alors, hier soir, nous avons commencé avec thème ça, la fidélité en action. Et hier soir, nous t'ai fait un appel à la fidélité. Nous t'ai essayé et établi les bases, contexte passage là, la ville de Corinthe, qui qualité ville que elle était, qui qualité vie que moun qui était dans ville Corinthe yo t'ap mené. Et nous t'ai parlé aussi qui objectif qui t'ai fait que l'apôtre Paul l'était écrit aux chrétiens de Corinthe parce que t'ai gagné des problèmes et spécialement dans temps que Corinthiens ont vécu là, qui semblable avec tant à vivre aujourd'hui, ils ont gagné une série de graves problèmes dans l'Église, un problème de division, problème d'immoralité, problème qui t'a bouleversé et mauvais enseignement qui t'a infiltré dans l'Église. Et l'apôtre Paul était écrit pour être capable et faire chrétiens alors répondre surtout à quelques questions, quelques problèmes que les chrétiens de Corinthe ont fait face. Et c'est ça qui fait que là nous arrivons dans le texte, nous pouvons voir que c'est quatre commandements que l'apôtre Paul li baille dans le chapitre 16, qui c'est le dernier chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et puis il dit: veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Alors, soyez, nous pouvons considérer le premier terme, le premier impératif, le premier commandement qui c'est veiller. Alors, à soir, nous allons parler de la vigilance. Pas qu'il y ait honnêteté sans vigilance. Dans la vie chrétienne, nous pas qu'à parler de fidélité sans que pas gagner vigilance. Alors, à soir, nous allons considérer ça que vigilance n'est lié. Et vigilance spirituelle, là, qui s'alimente, l'imande que chaque chrétien, ou même avec, nous devons appeler où est passé la vie, nous, pour nous garder chaque jour, nous garder qui côté nous camper, qui relation nous avec mon Dieu, qui part que nous fait en avant, qui est où que nous fait. Frère, avec ce mot, la vigilance, c'est un élément qui est essentiel, pour ne pas dire indispensable à la vie chrétienne. Yo dit comme ça que la vigilance, c'est qualité moun kap veye avec un pile soin ça l'a fait. Vigilance, c'est moun kap veye avec un pile soin ça l'a fait. Moi mon frère dans l'église, moi c'est le frère Jean-Claude Christophe, peut-être dans pile nan nous là, nous capable connait ni.
Il dit comme ça que dans un enseignement, dans un message qu'il t'a fait passer, bon chauffeur, ce n'est pas chauffeur qui a couru et a bride abattu et puis l'a passé le pas accident. Bon chauffeur, c'est chauffeur qui respecte la loi et puis qui a pris précaution pour ne pas faire accident. C'est ça que la vigilance. L'homme ou chrétien, ce n'est pas parce qu'on connaît la puissance de Dieu, la présence de Dieu avant, et pour vivre jonglé. Non, la vigilance chrétienne, l'homme ou connaît la puissance de bon Dieu avant, alors, pas, bon, il n'y a pas presque rien ça encore, mais longtemps, il y a un pile monde qui te fait, ça nous relève les arts martiaux, ça veut dire que karaté, judoka, bagay ça. Il y a un pile monde qui pensait, l'homme ou karaté, c'est pour le marché goumé. Et pourtant, l'homme ou avancé dans bagay ça, il y a enseigner moun sa, faut le gen maîtrise pour l'on moun frappel pour le retenu. Parce que si moun n'a pas en mesure pour le frapper en retour, ou gen doit tout yon moun. Parce que moun ki pi fait bien, pile fois, yon ki pi attaque moun, yap nui moun, yon sou moun. Ça veut dire que sou pa fait abnégation, c'est comme ça, moun n'a te geta pral mouri déjà, et puis ou même ou frappel, et puis c'est ou qui paye pour casser ya. Alors, l'on dit que vigilant, c'est un bagage que nous faisons chaque jour. C'est chercher qu'on est qui faiblesse nous gagne dans nous-mêmes. Pour nous connaître que nous avons un ennemi qui face à nous-mêmes. Et comme nous te dit hier soir, ces mots-là, ils rentrent dans le cadre d'un combat. Et la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Et c'est ça que fait en pile fois. Et l'église, nous, c'est des clubs sociaux, c'est des clubs sociaux. Quand on paquet moun réuni et nous fait belle bagaille, belle activité, belle uniforme, belle danse, belle ceci, belle cela, mais pas gagner réalité pour qui ça, nous pas réaliser que l'église son bagage spirituel. L'église son bagage côté que nous gon force qui c'est force Seigneur, Saint-Esprit qui dans nous et puis cap goumer contre force diable là. Et comme moi te dou hier soir, de pour rentrer dans l'évangile. Alors, m'bal don bagay ki pral fè ko pi sote, même l'on rentre dans l'évangile en jouette, c'est dans la bataille, oui. Parce qu'on pas passé Satan dans bêtise. C'est bon Dieu, moi, mon a passé dans bêtise, j'ai joué avec Satan pas bay pi ay. De pou apè se joué avec Satan, l'ap de joué ou, l'ap gaspille la vou, l'ap kasse kou. Et c'est haïtien nou yè, nous kon sa m'ap di la. En tant que chrétien, nous besoin konnen qui est-ce nou yè. Faiblesse nous yo, à qui est-ce que nous bataille et nous besoin qu'on ait que si nous pas veiller sous faiblesse nous, il y a fait nous tomber dans péché. Et l'on tomber dans péché, kounia nous pour aller venir ennemi bon Dieu. Parce que c'est ça nous dans Éphésiens chapitre 1 oui. Le l'a expliqué mais qui moun nous était autrefois. Mais qui œuvre nous t'a fait et lui dit que on t'était mettait inimitié, ça veut dire que nous t'es ennemi bon Dieu. Si nous pas veiller, si nous pas vigilant, n'a pas tombé dans péché. Alors à chaque fois que nous avons le thème vigilant, le thème veiller, il y a un pile pour louer avec le retour de Jésus. Et si vous regardez tout passage dans le Nouveau Testament que nous sommes capables de considérer des passages eschatologiques, ça veut dire qu'il y a un pour avec le temps de la fin. Tant que par exemple Matthieu chapitre 24, ou capable de prendre Matthieu chapitre 25, ou capable de prendre Marc chapitre 13, ou capable de prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, ou capable de prendre le livre de l'Apocalypse, ou pour aller que le terme veiller, il y a une pile importance dans le passage ça. Pour qui ça? Parce que, surtout, le lit dans Matthieu chapitre 24, il dit qu'on que veiller parce que nous ne savons pas qui le Christ a venu. Mais malheureusement, il y a un pile monde. Là, on prend veiller, on ne sait pas qui le Christ a venu. On met dans le contexte Christ a venu seulement. Mais veiller, c'est bon bagage qui vient pour ouais avec Christ a venu. Il vient pour ouais avec la vie ou à mener. Parce que c'est pas nous à vivre la vie en Christ a venu. Christ pas un jour spécial vrai gens nous penser à non. C'est même jour on a fait réveil là et puis Christ a venu oui. C'est même gens demain si Dieu veut nous lever dans le travail et puis le arrivé dans le travail là nous parlons une série de monde et puis n'a poser question et puis on va parler et puis c'est temps doit attendre au gain quelque monde yo pas ouais au sac passé tel est-ce que c'est Haïti l'aller et ceci et cela Christ retourner
C'est pour un bagage spécial, extraordinaire. Je ne pensais pas le passer dans le monde. Et c'est une bagage qui va en pile que sauter. Moi, je dis ça, mais à chaque fois, je dis ça que je saute. Si tellement il y a un minime de monde qui a sauvé, le Christ tourné, le monde pas ébranlé. Jean moun pense, pour le gars avion crasé, pour le machine qui frappe, pour le conseil de bagage, le Christ tourné. Et pas vrai, non? Le monde a continué dans la course liée là. Par exemple, le monde n'a pas connu que Christ retourne. La petit temps. Malheureusement, il y a l'église qui a fonctionné, il y a un réveil qui a fait, il y a un prédicateur qui a prêché. Et c'est ça qui fait l'important pour nous veiller. Alors, on a parlé de veiller, nous ne parlons pas seulement dans le contexte eschatologique. Là, parce que le terme veiller, il implique que nous avons un combat spirituel et nous devons être vigilants. Parce que nous avons des forces spirituelles ténèbres qui ont gouma avec nous. Comme je t'ai dit hier soir, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église méthodiste, ce n'est pas eux qui sont ennemis ou l'autre. Non. C'est comme si les États-Unis d'Amérique, ils ont une armée, ils ont une navy, ils ont une air force, ils ont une marine. Ou ils ont différents uniformes, ou ils ont différents noms, ou ils ont différentes disciplines, mais nous avons un ennemi quoi? Comment? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait nous devons veiller. Veiller. Frère avec ce mot, l'apôtre Paul, l'alter répond aux chrétiens de Corinthe, il a traité plusieurs sujets. Dans le chapitre 3, par exemple, il parlait de la division. Dans le chapitre 5, 6, il parlait de l'immoralité. Dans le chapitre 7, il parlait du mariage. Dans le chapitre 10, il parlait de moun kap murmuré, il par exemple d'Israël. Dans le chapitre 11, il parlait qui Jean, la Sainte Seine et tout bagay sa yo. Dans le chapitre 12, 13, 14, il parlait des dons spirituels. Dans le chapitre 15, il parlait de la résurrection. Et puis, l'arrivée dans le chapitre 16, là, quand il a fait conclusion, hein, et puis, il bat nous commandement ça. Il dit, veillez. Frère Maxime, exhortation veillée, c'est bon bagaille pour nous prendre à la légère. Raison, c'est parce que tout chrétien qui voulait faire bon Dieu plaisir, il doit veiller. Terme veillée, il y a plusieurs connotations, comme on dit déjà. Il y a une exhortation, une vigilance pour bagaille eschatologique. Mais aussi, c'est un moyen pour nous vivre la vie chrétienne. Conduite en chrétien, il doit constamment dirigé par le retour de Jésus qui a fait à n'importe qui l'heure. Du fait que Jésus qui a venu n'importe qui l'heure, ou obligé toujours sous pingao. Alors, Créole l'a dit, marcher sous pingao pour ne pas piler sous tes cons, sous tes cons. Parce que toujours, si tu connais, toujours derrière. Mais pour chrétien, pas de si tu connais. Parce que la Bible lit, lit clair. La parole, elle a prêché, c'est ça lié. Malgré qu'on y ait, et l'apôtre Paul te dit ça, dans les derniers temps, moun a besoin de démangeaison pour entendre les fables. Bagay qui fait au plaisir. Il a besoin d'entendre les grands philosophes. Si tu es venu là parler de Voltaire, Malherbe a dit, Voltaire a dit, Boileau a dit. Et puis, ouais, moun a bat bravo. Et puis, c'est comme si on groupe moun qui sous Titanic là, et pour jouer musique pour yo, y a dansé, y a piaffé, y a pompé, pendant que bateau a coulé. Malheureusement, c'est état l'église dans journée aujourd'hui parce que nous pas veiller parce que pour veiller, faut qu'on connaît dans quelle circonstance que oui. Alors, frère avec ce mio, nous dit que la vigilance, surtout la vigilance chrétienne, une but que le gagner c'est pour nous chercher la volonté de Dieu. Frère avec ce mio, chaque fois que nous parlons de veiller, c'est pour une blague que lire. Parce que nous t'aidons ça, l'apôtre Paul l'a utilisé un langage militaire. Ça veut dire que c'est un langage avec soldat. Nous pas qu'à prendre chance. Parce que la vie, nous, il dépend de ça. La vie est physique et spirituelle, il dépend de ça. Il dépend de la vigilance. Là, on a considéré Jean que. La vie vigne aujourd'hui, hein? Jean chrétien, il prend l'évangile. Jean où l'église a fonctionné. Moi-même, son pasteur, mais il me fait 16 ans à militer, à travailler avec les jeunes. Moi, j'ai 5 ans depuis que moi, son assistant pasteur, qui travaille dans l'église locale.
Ça veut dire que je n'ai pas de problème à l'église. Je ne suis pas évangéliste qui vient là, qui vient dire n'importe bagaille et puis créer problème pour pasteur Tenok qui invite là. Non. Mais la réalité, c'est que l'église nous a un problème. Je vous dis, ça n'a pas de message, il n'y a pas gagné pour y avoir la Bible. Ça y a dit mon yo faire et mon yo plus quoi pour faire. M'pas connait si c'est dans nature nous parce que nous sorti nos cultures vaudou, nos cultures idolâtres. Gardons série de vieux bagaille nous que il y a fait mon faire et puis yo plus facile faire que obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait l'important pour nous veiller. Alors assoyez-vous, moi t'aimer me considérer quelques points qui est important pour nous ta veiller. Jésus le libral mourir. Il est allé dans le jardin de Gethsémané et il est allé avec quelques disciples. Et les disciples, ils ont demandé pour rester avec lui pour être capable de prier. Mais les disciples, ils ont dormi tes bras. Et c'est le premier point que je vais considérer avec eux. Nous disons que veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière, il va nous force pour nous résister contre la tentation. Toute morale qui gagne dans la vie chrétienne, il campe sous la vigilance. Pour fidèle, il faut veiller. Pour fidèle, il faut veiller. Frère avec ce mio, m'a dit non bagay. Satan, li gon anesthésie spirituelle que le bay moun. Li force en tout bien. Et malheureusement, l'homme, nous vin même gens avec crapaud. Yo fait qu'on est que crapaud, soumettez le dans une bombe et vous mettez bombe dans sous du feu là. Pendant que de l'eau a chauffé, crapaud a ajusté col avec de l'eau. Pendant que la température de l'eau a monté, le crapaud a ajusté l'école avec la température de l'eau. Le crapaud a réalisé que de l'eau est trop chaud, il a voulu se voler pour sortir de l'eau. De l'eau est trop chaud et puis pied est cuit, il n'a pas sorti. C'est le travail ça que Satan a fait avec les chrétiens d'aujourd'hui. En plus, le monde, parce que l'église, parce que c'est pasteur, parce que c'est évangéliste, parce qu'il a pensé à l'école du dimanche, parce que y a un titre, parce que c'est ci, parce que c'est là, il a pensé que y a bien. Non! Ce n'est pas qui est sourire. On dit monde qui fait nos garages, Billy Graham remédie ça, ça va faire une machine pour ça. On mettrait les noms, j'en mais c'est qui relation avec mon Dieu? C'est qui est sourire? C'est qui connexion avec mon Dieu? La prière li ban nou force pour nous capable résister avec tentation yo. Li ban nou force pour nous capable veiller pour nous pas tomber dans tentation yo. La tribulation yo vini pour nous capable camper. La vie est difficile. Elle est plus difficile pour un chrétien. Mais faut nous veiller. La vigilance li indispensable pour nous capable gagner victoire sur la tentation. Sou pa veye, n'importe bagay qui vient devant, ou ap di c'est bon Dieu. On regarde tentation Jésus. Ça Satan te mande Jésus. Pas grand rien que t'es mal là dedans, non? Jésus t'a un pouvoir pour le faire roche tourner pe. Jésus t'a un pouvoir pour te ordonner les anges s'il pral tomber pour venir kembel. C'est pas ça Satan t'a demandé Jésus pour faire acte mal là non mais c'est du fait que Jésus t'a obéi à Satan. Et c'est ça en pile fois nous pas comprendre oh ça m'a fait acte bien. À quel objectif? Qui est-ce qui obéit? Est-ce que c'est la parole de Dieu et sinon c'est disant à ta part? Est-ce que c'est parce qu'on entend des voix diablant qui dit oui ou à lever ou à populaire, il y a parlé de où, il va connaître et puis où on entend de ça et vous va pas agir? La vigilance li aide nous pour nous surmonter les faiblesses naturelles. Texte ça c'est un texte yo fait en pile mal à lui-même parce qu'en pile fois l'homme y a parlé, yo dit comme ça que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Non, il y a parlé que les dispositions naturelles
nous avons tendance pour nous attirer vers nous-mêmes. Mais là, pour nous faire les choses spirituelles, nous demandons un effort en plus. Parce que quand on a vivre là, cher que on a vivre là, il remet plaisir, il remet satisfaction. Et ça m'a dit, pas parce que c'est péché seulement, non? Et c'est ça, la Bible dit nous, il dit nous comme ça, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ça veut dire que ce n'est pas bagaille, nous besoin pour corps physique, là, vrai, que l'évangile là, ben nous, mais c'est ça qui est bon pour l'homme. Et sans la prière, chrétien, il n'est pas capable de faire rien. Et ça fait, dans le moment qu'on a traversé là, au besoin qu'on est, il faut veiller. Il y a maladie qui vient, c'est tester le vin testo. Il y a besoin qu'on gagne, c'est tester le vin testo. Il y a une attitude de Timoun Yabba ou Nakaila, c'est tester le vin testo. Il y a une attitude de Marie Yabba ou, c'est tester le vin testo. Il y a une attitude de Madame Yabba ou, c'est tester le vin testo. Il y a besoin qu'on ait qui est souillé pour veiller. Nous chantons dans 52 français, dans mélodie joyeuse. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Ô propos infâme, ne cède jamais. Ô garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du maître. Soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Qui est capable de chercher l'appui maître là? C'est dans la prière. L'on veille, on doit apprendre. Il dit, résiste à l'estreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment et qu'en Christ tu puisses vaincre constamment. Fuis la outre sombre du plaisir trompeur, car elle agit dans l'ombre le grand tentateur, qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Chasse à l'instant même tout regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse tu crois succomber, regarde sans cesse au Christ bon berger. Frère avec ce mieux, premier bagage nous devons faire, le n'a veillé, nous besoin prier pour nous pas tomber dans la tentation. Nous besoin prier pour nous pas affaiblir. Parce que diable là, objectif que le gagne, c'est pour le capable miner nous. Dans créole là, il dit, diable là son rat cap mordé, soufflé. C'est l'on levé demain matin et pour un bon pio qui te chalboré. Deuxièmement, nous besoin prendre garde pour nous pas penser nous bien camper. Dans veille, ou besoin pas penser au bien camper. Une verset me remet en pile, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 12. Il dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Moun ki pense le campé a pren précaution parce qu'on pral blaye a te. Orgueil en pile fois fait nous penser que nous bien campé dans l'évangile. C'est nous seulement qui gen l'évangile, c'est nous seulement qui converti, c'est nous seulement qui sanctifié, c'est nous seulement qui rempli avec l'esprit mon Dieu. Tout moun oh frère tel gon problème. Tout moun gon problème pour nous. Et là c'est nous a faut gagner amour, faut gagner compassion, faut gagner pardon. Mais laissez l'autre là, ou apaiser. Que celui qui croit être debout prenne garde de ton tomber. L'orveillon doit éviter l'arrogance. Éviter que c'est où? C'est pas où, non? Si vous ne pas tomber dans le péché, c'est bon Dieu. Parce que bon Dieu est fidèle. Ça le dit, l'a pas accompli. Gen situation rivée ou on pas fait l'aide, c'est pas parce qu'on gen bonne morale ou t'es dans bonne famille ou t'es gen bonne éducation ou t'es ceci ou t'es cela. Non. C'est parce que bon Dieu li là. Li rend situation favorable à ou même. Gen des situations rivo pas péché et puis l'on regarde scène là depuis au commencement jusqu'à la fin. Ouais, c'est bon Dieu qui contrôle là. Bon Dieu qui contrôle là. Gen rencontre li pas qui t'au fait. Gen conversation, le pas qui t'a rentré là-dedans. Gen on bagay on moun vin mando, ou pas même besoin répondre. Bon Dieu, gen t'en surgi on bagay. Et puis conversation en chant. La vigilance. Li mande, nous pas doué dépendre sous chair nous.
Là, nous dit cher là, gain deux fois c'est beauté nous. Gain deux fois c'est connaissance nous. Gain deux fois c'est rang social nous. Gain deux fois c'est qui est nous. Gain deux fois c'est place nous jouer dans la société. La vigilance lui mandait que nous pas doit dépendre de capacité personnelle nous, mais nous doit connaître que c'est dans même bon Dieu que nous y est. Ou pas qu'on un petit nous lever et puis la pèse bon calotte. C'est pas amour faut pas la gueule à terre parce que c'est dans mon lié. Et mais qu'on s'en pile dans nous et dans mes bon Dieu oui. Nous pensons nous sont à faire. Raison que fait nous les moun ouais nous c'est parce que bon Dieu le levé nous. Nous pas assez hauteur pour moun ta ouais nous. C'est parce que bon Dieu le levé nous. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Frère avec ce mio, au lieu de nous contenter nous que nous camper, nous besoin veiller pour nous pas tomber. Pas oublier de dire comme ça la vigilance, c'est qualité moun qui peut porter attention à tout ça la fait pour le bien faire. C'est pas une question de l'homme non. Non. Bagage ça yo, yo trivial et yo pas gain valeur. Frère avec ce mio, la vigilance li mande pour nous goumer ak pòp tèt nou. La Bible dit nous comme ça nous gen trois grands ennemis. C'est la chair, le monde et Satan. La chair, le monde et Satan. Le monde là c'est pas le monde n'a vivre là non, c'est le système du monde. La chair là, c'est pas quoi physique là non, c'est nature pécheresse qui nan nou. Et diable a lui-même nous pas besoin de définir, nous connaît que c'est ennemi nous. Ça veut dire que nous besoin comprendre que ennemi que n'a combat là, c'est pas un ennemi qui dehors nous, plus gros ennemi que nous gagnons, c'est ennemi qui en dedans nous. C'est la nature pécheresse, c'est le moi, c'est l'orgueil, c'est la pensée que nous sommes à faire pendant que nous pas rien. Son petit maladie bon, alors on te dit ça moi-même grand pile fois m'pa vle tout non prophète de malheur m'pa vle on miché le roi a relé mais puis c'est moi qui a bay mauvaise nouvelle même te dit ça moi dit comme ça affaire corona ouais tout monde peur tout monde rentre l'église là moun gen pour retourner dans la vie normale comme si pas de rien qui t'est passé et nous ça commence à arriver oui c'est l'église moun pa vle vini mais l'on regarde stade yo pas plein bal yo pas chargé moun carnaval yo pas chargé moun. Bagay Chanel yo pa chaje moun. Yo pè maladie. Non, tout moun retourne nan activité yo. Mais c'est les affaires de Dieu, tout moun campé loin, yo pa vle malade, yo c'est si yo malade. Et ki tam non bagay ferme avec sèm. Tout fréquent nous fréquent. Alors, pas nous-mêmes parce que nous pas fréquent. Tout fréquent moins fréquent. C'est tout dame boko kon bon la fièvre, oui. Nèg ki pense le son affaire, n'a pas nèg déparler comme ça, koul bon la fièvre, oui. Nèg ou yo lèp marcher gade té ap tremble en bas pied yo fèm konnen ke Hugo Chavez lè l pral mouri monsieur dépalé oui monsieur mande docteur m pa vle mouri est-ce que pa gen yon ka fè et nèg se di pa gen bon Dieu frape pied yo c'est yo frèm avec sèm yo nou bezwen veye. Difficulté qui gagne dans vigilance là c'est parce que en pile fois n'a veillé sur l'autre monde mais nous pas veillé sur tête nous toujours est paille qui nage l'autre monde là mais gros pout là gros papier bois qui nage pas nous pas wel et c'est ça qui fait lien important pour nous capable veiller parce que Satan lui-même il lui toujours voulait faire wel l'autre monde pour pas porter attention sur tête. La vie spirituelle ou pas rien pour loi même. M'la pour m'aider ou mais c'est pas responsabilité. Responsabilité c'est la vie personnelle pam. C'est relation avec mon Dieu. C'est vrai m'a veiller sur vous parce que n'a fait route là ensemble. Mais c'est pas moi qui responsable la vie ou. C'est ou responsable non mou. Alors pasteur ou l'autre responsabilité qui est différent parce que nous gain pour nous répondre de responsabilité nous de troupeau et bon Dieu a, ça sont l'autre paire de manches mais on parle chrétien normal là en pile fois n'a veiller sur l'autre monde ou pas toi un tel ou pas tendre ça un tel fait et c'est non
C'est la vie personnelle nous pour nous veiller sur lui. Servante là, il était chanté chant ça dans 109 créole, Jésus m'a été promet tout pour me suivre jusqu'à la fin. Rete tout près moi tout temps, mettre moi et ami moi. Moi pas peur ça qu'a privé me leur rete tout près. Moi pas perdu dans route là, leur marcher avec moi. Dans deuxième strophe là, il dit me senti le monde trop près moi. Jésus rete plus près. Gen deux bagages qui tentent pour mener dans péché, l'ennemi m'yo yo toujours là, yo en ton cœur moi tout, mais Jésus ou ka sauvé me, rete plus près tout toujours. Vrai ennemi c'est en dans nous lié. Vrai ennemi c'est là nous pas veiller sous tête nous, n'a veiller sous l'autre monde. Maman toujours me dit ça, il dit gardez dans ma coutou. Gardez dans ma coutou. L'on veille sous chaudière l'autre monde ou dormi grand goût. Si c'est chaudière l'autre monde qui intéresse, le monde ne fin faire manger li chita le manger et ou même c'est chaudière ou t'a veille ou pas de cuit en qui sont manger. La vie spirituelle là, nous besoin veiller sous tête nous. Troisième bagaille, nous besoin comprendre que la vigilance que n'a parlé là, li mandé pour nous capable gain reconnaissance envers bon Dieu. Là n'a prié, n'a persévéré dans la prière, mais nous besoin gain reconnaissance. Dans Colossiens chapitre 4 verset 2, l'apôtre Paul dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Pour qui ça? C'est parce que l'on a veillé et ou songer ça bon Dieu fait pour. Parce que grand pile fois nous plaint. Grand pile fois situation n'a traversé yo, yo difficile c'est vrai, mais n'oubliez que bon Dieu t'est passé avec nous son série de gros problèmes qui étaient plus graves que ça. Si bon Dieu bon pied, ou pas besoin tuer tête tout parce qu'on peut courir sous lui. Parce que moun n'a pas gon belle soulier et li mande tuer tête li. Mais si bon Dieu bon pied, vous comptez combien de monde qui pas un pied dans la vie? Hein? Bon, m'a dit un bagage. Juste faire mes jours, font y réfléchir. Le pandémie, on pas de cas sorti. Hein? Pas qu'être rat qui était dans la closette, sortez va avec yo. Belle machine, nan, ou ap toise moun pou li, qui te rete dans joie vous, sortez va avec. Pendant la pandémie, on a fait une expérience. Même leur dit, moi ne pas sorti, moi je sorti chaque jour. Je suis obligé de sortir parce que je travaille la caille. Pendant la caille, je suis printé dans le bureau. Et puis je prends un document dans le bureau. Je gagne un document que j'ai voyé dans moi, je m'ouvre une boîte postale. Et puis pour m'aller chaque jour, la poste là, avant de prendre la rue, parce que tout le monde peur. Tout le monde peur qu'on sourit. L'on sorti de là, c'est comme si on sentait une force qui voulait prendre. Toute belle machine, yo côté côté. M'kon nan 281, moi-même seulement. M'kon rive sous mes suites là pour me rentrer dans le poste office orange là. C'est le point, il n'y a pas de paix en yo même. M'kon laisse parce que quand il a pitié, il n'y a tout pas de carré dedans, il est obligé de prendre la rue. Mais c'est yo seulement moi dans la rue là. Ça veut dire que tout ce qui a tué tête nous pour bagaille matériel yo. Ça montre nous que yo pas aussi important non? Tout bel costume yo, bel chapeau, bel robe yo, bel tout bagaille, bel soulier yo, le ça yo pas de valeur parce que tout monde te pensait nous pral mourir. M'relé un pompe funèbre parce que m'te gen bon frère qui mouri, li dit m'gen 40 cadavres là. Bon konn ki jan m'pral faire et pour là son compte qui j'en prend mon yo là prend yo alors m'pas de dire nous ça parce que gien doit gien moun qui pas de compte ça que gien doit faire au mal tout monde qui était mouri dans fin avril mi avril fin avril commencement mai majorité là dedans c'est 101 yo enterré yo là yo voye cadavre là aller dans plastique là yo fait photo. Vous voyez photo à bay pompe funèbre là, pompe funèbre là voyez le bay famille pour identifier qui moun nié, l'on fin identifier, yo zipel, yo tout metel dans cercueil là et puis tout pas gien ou cap choisi qui le enterrement. C'est cimetière qui tab dou qui le pour faire enterrement parce que moi me fait 4 ou 5 enterrements.
Gagner là dedans c'est moins seulement camper avec cercueil là en dans cimetière, même famille pas quitter rentrer. Ça veut dire que tout grand pampan bat l'estomac là, c'est le souffle de vie en sous. L'important pour prendre garde, pour veiller, pour songer que c'est bon Dieu qui a veillé sur vous. Chaque fois vous priez, bon Dieu, et exaucer prière, c'est une source pour être capable d'avoir plus force, pour être capable de veiller, pour ne pas penser au son à faire. Veiller. Nous devons veiller sur la spiritualité, nous. Nous devons veiller sur la prière, nous. Nous devons veiller au moment où nous passons dans la Bible. Nous allons parler plus de ça, mais nous devons veiller sur la sanctification. Sanctification, il y a plein de monde qui prend comme si son bagage dénomination. Non, son bagage biblique qui dit que pour nous séparer, nous, pour nous différer avec le monde. C'est ça seulement, une sanctification. Oui. Alors, nous prenons lui-même, nous faisons une dénomination avec elle, et puis, nous rentrons dans l'église, nous sommes à l'éternel, pendant que la vie que nous avons menée, n'est pas matière à ce qui marqué dans le mur. Parce que si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté. Sainteté n'est pas fait jeune avec rat blanc, non? Non, 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 non. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Responsabilité, nous, c'est pour nous veiller. Ignorance fait que l'église, nous, y a sombré notre tête chargée. Pour qui ça? Parce que nous, par contre, la Bible. Laissez danser, pomper tout le monde là. Laissez étude biblique ou pas, leur prêcher l'évangile, c'est la Bible que vous traitez les versets. Ça parle rien pour vous. Vous connaissez si vous avez dit, m'a fait miracle là. Ou qu'on est pasteur te noter qu'il va aller en prison parce que moun qui t'a gagné là, yo t'a dit mon choix pas de prendre permis pour manifestation ça. Parce que l'homme croit en bluff. Si me devine avec une caisse de l'eau là, moi dou garder l'eau fin boire de l'eau ça, sou pas gagne petit, ou gagne petit, gen moun k'ap ban même $10,000 pour lui. Moun ou pas ta penser, y a pas écrit lettre, y a voyé $5,000-$7,000 bay moun charlatan. Qui dit que y a voyé serviette pour passer dans figure. C'est l'évangile ça la vie aujourd'hui. Nous besoin veiller. Frère avec ce mio. Nous besoin veiller pour ne pas tomber dans bagage ça. C'est responsabilité nous pour nous veiller, pour nous prier. C'est responsabilité nous pour nous gommer contre ignorance. Quatrièmement, nous besoin veiller sur conduite nous besoin veiller sur comportement nous. L'apôtre Paul lit écrit aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 5 et 6, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La vigilance chrétienne lui demandait une conduite qui répond à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de ce que ça me croit, non. C'est qui ça la Bible dit. Ce n'est pas moi qui peux dicter qui style de vie pour mener. C'est vrai, en tant qu'un leader, je suis capable d'aider. Mais ça qui doit guider la vie pour qu'on qui sort doit faire, qui sort pas doit faire, c'est la Bible. Ce n'est pas dénomination, non? C'est la Bible. Ce n'est pas pasteur, non? C'est la Bible. Ce n'est pas prédicateur, non? C'est la Bible. Frère, avec ce mio. Nous devons un comportement, une conduite qui répond avec moun nouya. Un comportement qui se produit que nous fidèles envers bon Dieu. Et nous te dou qui sa fidélité était hier soir. La fidélité c'est la capacité pour moun capable compter sur vous. Est-ce que bon Dieu capable compter sur vous? Même genre que bon Dieu te dit à Satan, est-ce qu'on va servir un Job? Raison, c'est parce que Job était fidèle. Bon Dieu, qu'on est le cas compté sous Job. Là, nous dit Job fidèle, là, ça veut dire que bon Dieu est capable de compter sous lui. Et mais c'est même genre, moi, ma voix à soi, est-ce que bon Dieu est capable de compter sur nous-mêmes? Nous besoin agir en nouveauté de vie. Nous besoin faire les œuvres qui conviennent à la lumière. Pour le premier chrétien, leur parler de veiller, c'est un bagage éthique.
Ça veut dire que le comportement, il était doué en certaine façon. Alors, Raïchien dit dans le blanche. Chrétien longtemps, c'était tête marée, il n'y a pas de lire la Bible, il était un livre tête en bas. Mais, pendant que il n'y a pas de lire la Bible, il était vive la Bible. Longtemps, un chrétien, c'est ton référence. Un chrétien, c'était un monde, même le pas qu'on lit, le pas philosophe, mais c'est lui-même qui a gardé, qui pouvait le pas, le ton. Là, tu as besoin d'un monde, non travail qui est sérieux. Tant que papa, par exemple, il fait toute ville travail dans l'hôtel Castel d'Haïti comme chef barman, pendant que papa est chrétien lié. Mais Thébo, qui était un docteur, un dentiste qui était sorti du Canada, monsieur dit comme ça que c'est seul monde qui a fait confiance. Le papa est parti en 76 pour quitter Haïti, il n'a pas dit Thébo qui était travail là. Parce que nous avons fait des démarches pour ne pas partir. Alors, parce que nous avons fait des démarches pour ne pas partir. Parce que longtemps, c'est l'offre qui passe dans les portes là. Et puis, où qu'on a délivré, parce que nous avons un gros livre que pour rentrer, que pour sortir, il faut regarder là-dedans. Pour qui ça? Parce que là, ça, c'est ton chrétien, c'est ton homme de confiance. L'homme a besoin de bonne lacaille pour connaître que l'équité bijoule sous coiffeuse, il n'a pas besoin d'occuper l'argent, il cherchait un chrétien, un protestante. Parce que chrétien, c'est ton référence. C'est ton monde de valeur. C'est ton monde qui a un bon Dieu dans lui-même. Mais malheureusement, je ne dis pas, c'est non chrétien nous gagnons. Mais nous ne vivons pas la vie chrétienne. Cette fidélité n'est pas dans nous-mêmes. Cette réalité que bon Dieu, le roi nous, le Christ dans nous, n'est pas réalité encore. Frère avec ce mot, l'homme manque de vigilance, vous mettez l'amour en danger. L'homme pas veillé, vous mettez l'amour en danger. L'homme pas veillé, vous mettez la vie en danger. L'homme pas veillé, ou mettez moun sous koto en danger. Et ça fait l'important pour nous veiller sous comportement nous. L'important pour nous veiller sous langage nous. C'est pas toute bagaille qui sortit dans bouche chrétien. N'a pas bagaille qui fait mal comme ça. Nèg la campé sous chair, li l'homme nous toute loi gagné et pourtant il dit de Jésus pendant une heure là. Et pas connait m'pas connait retour. Mais m'pas vinn prêcher loi. Nous venons prêcher Christ, Christ crucifié. Si un nom qui doit lever, c'est le nom de Jésus. Malheureusement, je ne sais pas si pour vous montrer où on est, pour les gens capables de battre bravo, pour les gens capables de ceci. Il a présenté toute loi, toute une série de bagailles, bêtises, abdi sous chair, mon abdi une série de paroles. Et puis, vous attendez l'histoire de l'amour de Jésus. Nous devons veiller sur le langage nous. Et pas toute conversation que les gens qui sont contre notre travail là, pour entretenir. Gen baga ou papa la moun. Maman m'a toujours dit, ça qui passe dans la chambre, doit retourner dans la chambre. La vie intime, pas de partager avec l'autre monde. Il y a une raison qui fait la vie intime, la vie privée. Il y a une raison pour faire une chambre, une chambre à coucher. C'est parce que ça qui passe là-dedans, doit être là-dedans. On ne travaille là, on parle de conversation, bagay sa yo. D'ailleurs, tout depuis où nous travaillons, où nous côtoyons l'environnement avec un monde, une série de paroles, depuis là, il y a un grand temps, il y a un bêtise à voir tout. Veillez sur l'engagement. Veillez sur les amis que vous avez. Veillez sur le monde qui parle tout le temps dans le téléphone. Veillez avec qui vous prenez en vacances. Veille avec qui moun ou a fait alliance. Veille avec qui moun ou a marié. En pile fois, pasteur pas dormi. L'autre après le mariage, moun non vin kote pasteur a dou al prier. Parce que pasteur a pas vle ou bel quelque calotte pour dire l'écrasé mariage là. Parce que moun moun l'église moun, li manke baton Jack oui. Manke bat Jack là. Parce que Jack là manke fait petite fil par jeune onos. Et puis, la tête chargée vini, parce que tu n'as pas dormi. Ce n'est pas tout mariage, non, qui doit être fait. Il faut prier bon Dieu. Il faut prier bon Dieu en pile. Parce que quel mariage vous fait,
Mariage là ne doit pas qu'à faux perdre le ciel, parce que le ciel là c'est non, mais bon Dieu lié. Mais on a une vie misérable. On a une vie difficile. Faut prier, bon Dieu. Faut veiller sur le choix qu'on fait. Frère avec ce mieux. Veillez. Même dans l'enseignement, même dans le prédicateur. Quel langage un prédicateur ba ou? Comme vous le déjà, on finit dans des messages là. Mais. Ou que t'en ouen à qui régime le gade. Faut veiller. Parce que lou yo, les loups ravisseurs, yo vini en habit de brebis. Moun nan gen grande connaissance, grande intelligence, li gon langage qui exerce, et puis li captive moun, mais en réalité, ça l'a dit, a pas gagné pour loi avec Bible. Nous besoin comme les chrétiens de Béret, pour nous repasser la Bible. Quel c'est moi-même, quel c'est pasteur Ténor, quel sont grand docteur Eslet, yo t'amène ville là. Regardez, c'est pas titre moun nan, c'est pas diction, c'est pas connaissance li, c'est pas relation, c'est pas qui est lié, mais est-ce que la parole est la parole de Dieu? Frère avec ce mio pour nous finir. La vigilance c'est un bagage qui est fondamental dans la spiritualité chrétienne. Si nous besoin un seul bagage, c'est pour nous fidèles. L'heure est arrivée, bon Dieu va dire, vini, bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit belle petite fille. Il n'a pas dit belle petit garçon. Il n'a pas dit gros pasteur. Il n'a pas dit grand orateur. Il n'a pas dit grand chanteur. Il n'a pas dit monde qui a une grosse église. Il n'a pas dit gros bishop. Mais il dit bon et fidèle serviteur. Frère avec ce mio, nous besoin vigilant dans toute bagaille. Grand pile bagaille qui campait contre nous pour nous pas vigilant. Inquiétude, souci, insatisfaction, épreuve, souffrance, maladie, tête chargée, manquement, pauvreté. Bagaille ça eux campait pour nous pas veiller. Mais qui t'aime dans bagaille. Pas rien qui plus important que nomme nous. Il est important pour nous veiller. Tout le monde qui a veillé, moun sa yo, c'est moun bon Dieu que yo yé. Frère avec ce mio, gen trois bagay, m'ta remo ala avec yo. Méfiez de faux que Satan a offri pour le vrai. Méfiez pour faux bagay, Satan a offri pour vrai. Gon paquet idée, gon paquet action spirituellement, yo dangereux, mais yo attirant. Yo fait moun reme yo, yo raconte histoire, gen yon nèg ki t'a fait ferronnerie pendant que monsieur a soudé comme ça et puis boule fer yo, y a tombé à terre, mais boule fer yo clairé et puis y a tombé à terre, mette gon paquet pintade qui était là et puis yo coupe gon paquet patate, yo mette non cuvette à terre pour pintade yo manger, mais on connaît patate après un homme de temps commence rouge, li gon vie couleur pendant que boule fer k'ap tombé à terre qui clairé yo et puis pintade là yo attiré vers ça en guise yo manger bout de patate que yo ba yo et puis c'est bout de fer yo manger. Après quelques minutes, toute pétade yo mouri. C'est pas toute bagaille qui belle qui bon. Nous besoin veiller. Deuxièmement, nous besoin rester vigilant. Pas oublier m'te dit nous ça hier soir, chrétien pas ka pou Yanis. Chrétien pas ka nan JPP Jean le passé. Non. Chrétien doit jouer calé. Chrétien doit évaluer tout ça qu'on fait pour qu'on ait qui prix, qui conséquence, qui gagne. Avant pour une décision, faut évaluer est-ce que ça fait mon Dieu plaisir et qui conséquence que l'a mené. Et troisièmement, nous devons comprendre l'intention ennemie. Satan le diable, il n'est pas aimé nous. C'est nous qui pensons Satan aimé nous. De l'eau sucrée, Satan a ben nous, elle charge poison. C'est parce qu'elle qu'on fait sucre qui fait la boire surette. C'est pas parce qu'elle remet. Satan, c'est ennemi, bon Dieu. Et il t'a voulu détruire nous. Il a besoin de jeter nous dans la confusion. Objectif Satan, c'est pour le faire nous malheureux.
Même là où ou gen paquet de richesse et pour malheureux. Même là où on arrive dans la vie sociale pendant que non ou a déchiré. Ou pas qu'à dormir dans belle cabane là. Ou pas qu'à jouir belle caille là. Ou pas qu'à bon bonne vie avec belle madame là. Parce que Satan plan parle, c'est pour le rendre nous malheureux. Et puis pour le faire obstacle pour pas grandir dans relation avec bon Dieu. Frère avec ce mio qui te donne un bagaille. Li important pour nous vigilants. Li impossible pour nous fidèles sans nous pas veiller. Darmé qui toi avec les mots de ce chant 157 français du recueil des chants d'espérance qui dit veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et priez toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence. Verse en son cœur tout ton souci. Veille toujours en tout lieu, à toute heure. Car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous